Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va montrer comment insérer un VST dans le séquenceur pas à pas. Donc ici on retrouve le séquenceur pas à pas. Ensuite pour insérer un VST, on fait clic droit, insérer. Par exemple on peut prendre le Silence. Donc là, il est intégré. Ensuite si vous voulez enlever le VST qu'on a mis et le remplacer par un autre, vous faites clic droit, Replace. Par exemple, on peut prendre les 3 Xbox. Et donc voici pour la petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Au revoir.